Aujourd'hui, nouvelle vidéo bonus, on va faire une journée de volontariat dans un centre de recherche pour pandas. Sauf que j'ai déjà une heure de retard parce que le guide, évidemment, il est venu me chercher à l'ancien hôtel que j'avais réservé au tout début. Sauf que malgré les 36 mails que j'ai envoyés, dont hier pour dire que j'ai changé d'hôtel, il n'a pas pris en compte. C'est mon petit guide. Gymnastique. Oh, yeah, tigre. Oh, de ce que j'ai compris, hein, parce qu'elle parle souvent dans le vent avec moi, c'est que les pandas, en fait, ils ont une très mauvaise vue. Ils sont myopes ou un truc comme ça. Ils voient pas de près, du coup, quand ils mangent des bambous, c'est tout à l'odorat. Like a radio? Yes. Après un travail difficile, on mérite un bon repas. Bien après ce premier petit repas délicieux avec les employés, j'ai les lèvres bien défoncées parce que Chengdu apparemment c'est un peu la Corée. Et ben maintenant je vais profiter de la zone pendant une heure. Donc visite libre, sans la guide. Au final, le fait d'être arrivé une heure plus tard, c'est pas plus mal en soi, parce que le seul truc que j'ai zappé, pas pu faire, c'était nettoyer les cages. Et voilà, la journée est terminée, je suis de retour à l'hôtel. Donc c'était vraiment une journée très positive. Au final, j'ai nourri deux fois les pandas. Une fois, c'était un gâteau qu'on a fait. Bon, ça c'est un petit peu con parce que quand on a fait le gâteau, ils nous ont donné l'ingrédient tout fait en fait. Mais à la base, c'était du riz, du maïs, du soja et des œufs. Donc j'aurais même bien pu goûter. Ensuite, on a cassé du bambou, puis on a tout nettoyé. Elle était super sympa, elle m'a fait un petit historique de chaque panda qui était dans le centre de recherche. Donc c'était une très bonne journée. Avec des petits cadeaux, un certificat à mon nom, un badge, un sac et un t-shirt. Mais les t-shirts, sérieux, ils avaient que des XXL. Qu'est-ce que je vais faire de ça ?